Bonjour à tous et bienvenue dans Farm Together. Bonjour Papa Albator, tu m'as fait craquer, j'espère que tu vas bien, c'est l'épisode 13. Bonjour à tous. Eh oui, on a tous les deux craqué. Oh, on est en pirate, on a acheté le skin. On les regardait, c'est vrai, t'avais visité avec d'autres, le chinois par exemple, on en parlait un petit peu. Moi j'ai vu un truc sur le médiéval qui était pas mal. Mais le pirate, bah c'est fun quoi. C'est tout simplement. Ah, mais... et puis surtout, il est travaillé, il est joli, il apporte aussi, on le verra peut-être plus tard, mais il apporte des petits décors qui sont très sympas. Ah, puis ouais. Moi, bon, bah, Albator, j'étais un peu obligé, quoi. C'est vrai, le masque sur l'œil, c'est la classe. Alors vous avez remarqué que nos amis de compagnie, avec le skin achat, moi j'ai pris le rouge, t'as pris le bleu au ventre jaune. J'essayais pas trop spoiler, parce qu'en fait t'as bossé pas mal la dernière fois que j'ai quitté l'épisode avec toi. Et moi, pour une fois j'ai fait du offline. Voilà, et moi j'ai fait du offline, je suis revenu pour farmer un peu des gemmes et des pépettes, pour qu'on soit bien aujourd'hui. Alors, tu t'inquiètes, et je le dis à vous qui nous suivez, vous êtes à peu près 80, on regardait ça tous les deux vite fait. On joue de rang, on fait deux épisodes aujourd'hui, on est le vendredi 26 avril, on va refaire deux épisodes samedi ou dimanche. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu mou au suivant. Mais moi, ça me va, parce que j'ai pas d'autre temps chrono, et j'espère que ça te va aussi, Papa Albator. Ouais, mais de toute façon, c'est un let's play détente, hein. C'est vraiment pour découvrir le jeu tous ensemble, et puis... Voilà. Alors moi, j'avoue que je l'ai un peu tryhard dernièrement. Eh ben, parce c'est ce qu'on finalement, c'est un jeu qui me plaît énormément. Voilà, j'ai quitté le mode photo. Alors, est-ce que tu veux commencer par présenter ce que tu as fait? Là, je me suis mis en caméra la plus proche. Eh ben, pourquoi pas. En fait, il n'y a qu'un truc qui n'a pas bougé, c'est ça. L'arrêt de bus. C'est l'arrêt de bus. Si on se rappelle bien, il y avait une route là devant, et puis on attaquait les champs directement. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé l'arrêt de bus et puis je nous ai construit un village tout autour. Allez, je zoome un peu. Forêt d'arbres. C'est vrai que c'est beau, hein. Honnêtement, j'adore. Hein. Alors, il n'y a rien qui a été acheté supplémentaire, si ce n'est cette petite maison préfabriquée, mais j'ai juste rapatrié tous nos décors. Ouais. Tous nos petits magasins et tous nos décors. La première chose que j'ai vue... La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la cabane. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je l'ai déplacée. Elle, c'est vrai qu'on l'avait mise, mise un peu loin. Et elle est finie. Et la mettre vers le spawn, je trouvais ça quand même plus raccord. Ouais, et elle est finie. C'est surtout ça. C'est notre première vraie maison. Alors par contre, j'y suis même pas rentré. C'est vrai? Alors si je regarde l'inventaire, j'ai dû faire du lait. On a un peu de lait, on en a 20. Ok. Dans ce cas, allons-y. On a 1730 gemmes. Alors tu vois, les pièces sont... Bon, bah, tu connais, hein, je vais pas t'expliquer maintenant. On va pouvoir décorer. Là, c'est le salon, la chambre est à côté. Vas-y, je te laisse ta priorité. Hein. T'as bossé plus que moi. Le problème ici, c'est surtout la cuisine. Hein, elle est toute très allongée. Oui, ça, j'ai pas compris. Les maisons ont deux fonctionnalités. La première, c'est de permettre un petit aménagement façon Sims. C'est sympa, c'est kawaii dans le jeu. Et puis la deuxième fonctionnalité, c'est aussi de permettre la génération des tickets. Voilà. Pour débloquer des décors. Et puis pour une fonctionnalité aussi qu'on verra un petit peu plus tard, certainement. Peut-être pas tout de suite, mais c'est les aides fermiers. Oui, parce qu'avec les tickets, on pourra leur payer comme ça du carburant en quelque sorte et ils ramassent. Et ils labourent. Et je sais pas s'ils ressèment des plantes, je crois que si, hein, si on leur dit. Je ne sais pas. J'ai pas encore débloqué ça, je t'avoue. Alors pour la déco, j'ai complètement oublié. Est-ce qu'il faut faire clic gauche? Ouais, c'est ça. C'est de l'achat en fait, hein. C'est de la boutique. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on a assez de gemmes pour commencer quelque chose. Oh bah écoute, je te propose qu'on se fasse la cuisine. On en met quoi? Une ou deux gazinières? Une. Une. Bah écoute, je te laisse C'est bien parce que je pense qu'on va faire un plat et puis après on essaiera de débloquer aussi piano ou l'atelier de peinture. Ouais, c'est vrai. Alors c'est peut-être ici l'atelier de peinture, je sais pas, c'est vrai que c'est tellement long. Écoute, moi je poserais bien l'évier. Ça va commencer à te faire une référence. En plus, on peut les déplacer. Si ça te plaît pas, voilà. 20 gemmes. Donc là, on a du confort, on peut faire plein de trucs. Après, je crois qu'on peut mettre des tableaux. Alors, on va faire tout, voilà. Pour l'instant, on a ça. Là, il nous faudra des tickets. Par exemple, pour la peinture, c'est 3 tickets. Pour le piano, c'est 5 tickets. La cuisine moderne, c'est 8.
On peut jouer du synthé. On va inviter des amis. Peut-être que Barbiturique viendra en VIP un épisode. Ça serait fun. Faut que j'arrive à la convaincre. Ah ouais, non, mais t'as un objectif. Même pas une demi-heure, mais juste pour un délire comme ça. On peut faire une chambre à dos. Ok, j'ai débloqué des trucs. Alors, Jurassic Farm a y aller en off comme ça, ramasser un peu des pastèques. Elle est montée au niveau 31, donc on a quand même des petites choses sympas. Le frigo, c'est que de la déco. C'est que de la déco, mais je l'ai posé. Oh, il y a même les bacs de recyclage, ils sont vicieux. Le four micro-ondes. Je regarde, si je te gêne, tu me dis, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Non, non, t'en fais pas. Vas-y, fais. Lanterne de bateau, hublot. On est dans une cabane. Lampe suspendue, moi je la mets très bien, tiens. Oui, voilà. Oui, avoir un petit peu d'éclairage, c'est plutôt bien. Elle est peut-être un peu trop décalée, peut-être là. Comment on peut faire U? Voilà, je ramène plusieurs gazinières. Alors si tu m'autorises, je vais montrer, hop, la cuisine. Voilà comment ça se passe. Donc ici, par exemple, il faut 10 légumes pour la ratatouille. Et on ne gagne que un ticket et 4 ISP. Les œufs au plat, bon, vous avez vu, des œufs, 2 tickets. Les brochettes, 2 tickets. La salade de fruits, on a ce qu'il faut. Ça commence à monter. 6 tickets, c'est pas mal. Soupe de champi, pareil, il en faut. 8 tickets. Alors, le poisson, voilà. 5 poissons, 15 légumes, 5 tickets. Les XP, finalement, faut voir. Mais alors, la pizza, on peut la faire. Parce qu'on a apparemment de la crème ou du fromage, je pense. Et 25 céréales. Ça rapporterait 18 tickets. Et ça coûte 25 000. Hein. Le plateau de sushi, je disais, avec les poissons. 20 tickets. Oh, en fait, le sushi, c'est le top. Il n'y a pas une recette avec du lait? Pourquoi je voulais du lait? Il faut faire attention, hein, faut qu'on ait des ressources après. Ah ouais, ouais. Non, là, c'est 20 poissons, 20 céréales. Ça reste faisable. Alors, petit clin d'œil et coucou à Sirocco des Vallées, si je ne me trompe pas, et à Nounoun37. Nounoun37, je te le rappelle, elle nous expliquait que pour les poissons, apparemment, on peut mettre une case d'eau entre les poiscailles pour empêcher plus. La case d'eau qu'on a dans la rubrique chemin. Ah ouais, bah t'es lancé, hein. C'est cool. Ah, t'as vu? Vas-y, je crois que je reprendrai le chat à prochain épisode, hein, parce que le perroquet qui piaffe autour de ta tête, le chat est par plus discret. Il y a un truc qu'il faut absolument qu'on mette. Oui. Le café. Ah oui, 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 non mais je te le disais quand tu m'as contacté là, je dis on a besoin d'un café. Qu'est-ce que tu proposes? Une petite cuisine sympa ou on attaque directement les sushis pour voir? Ben ouais, sushis, si tu peux, vas-y, fais-le. Donc il faudra juste vérifier les stocks. Donc ça, il faut revenir plusieurs fois, je crois que c'est 2-3 fois. Alors par contre, on risque d'être un peu short sur les céréales, donc il faudra penser à en planter. Et les poissons aussi. Donc on va s'occuper de ça après. Mais là, on s'en fiche, on est entre nous. Voilà, je coupe le micro quand je suis en train d'agoniser encore un peu. Ici, j'aurais bien un tableau, je cherchais où sont les tableaux. La lampe sur pied sunset, ouais. Ah bah c'est là. Tiens, je vais mettre l'horloge murale dans la cuisine. Là, c'est pas mal. Clac. Ah, mais en plus, c'est la véritable heure. On est vendredi matin, il est 11h moins le quart. Ah ouais, non, c'est dingue. Enfin, en même temps, ça va pas être compliqué à coder. C'est dingue. Ah, rien m'amuse. Moi, c'est effrayant. Est-ce qu'on peut virer les cartons? On meublera les pièces au fur et à mesure. Ah, mais oui. Je suis juste en train de regarder les cartons, si je fais X, ouais. Ouais, allez, on sort. On sort. Hop. Alors, je te propose déjà qu'on récolte des gemmes. Par contre, ouais, si, il y a largement. En fruits, j'ai installé une maison qu'on va pouvoir déplacer. Il en faut 250 fruits. Et je crois que c'est près de l'arrêt de bus numéro 1, j'y vais vérifier. Hop, tiens, j'ai les fleurs. Et la maison, est-ce qu'elle est là? Je la vois pas. Donc ça va être l'autre arrêt de bus. Je vais aller en deux. Ouais, elle est là. Elle est sur la gauche, l'arrêt 2. Et du coup, il faut combien de fruits? Ah, j'ai assez. Fruiterie, ça rapporte 60 gemmes. Paf. Et ça consomme 125 fruits. En confiture, on est au max, hein. Il n'y a plus de place. J'ai vu ça. Alors, eh ben, on peut faire du fric un peu. On va peut-être travailler un peu. Ben, de toute façon, il y a de la récolte à faire. Hein. On commence par les missions, peut-être, en priorité. Les hortensias. Tu y vas pour les hortensias, on va gagner 4 trucs. Moi, je vais peut-être m'occuper du maïs. Si je trouve le maïs, je vais en avoir dans le coin. Ah bah, t'es là, toi aussi, tiens.
Les autres, en fait, sont là au bout, mais aussi, ils sont morts. Voilà. Parce qu'après tout, autant débloquer mission, voir si on n'a pas des récoltes prêtes. Bravo. Allez, une mission de fête. Tiens, je vais ramasser les céréales en même temps. J'avais fait un peu de blé. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir aussi. Ouais. Et qu'on n'a pas mis. Ah, je suis tout oui. L'échange des pépites d'or. Ah, j'ai jamais fait ça, oui. Est-ce que tu as remarqué que, de temps en temps, quand tu farmes quelque chose, d'un seul coup, il y a un endroit sur un farm que tu peux faire qui peut briller jaune? Ah non, j'ai jamais vu ça. Eh ben, tu regarderas, de temps en temps, ça brille jaune, et puis il y a comme un petit tintement sonore avec. D'accord. Et si tu regardes dans notre inventaire, on a tout en bas à droite 18 pépites sur 90. C'est des pépites d'or. Mais c'est nouveau, ça. Qui s'échangent à la boutique d'échange. Et d'accord. Qu'on achète avec 5 rubans. Donc ce que je te propose, c'est qu'on farme les 5 rubans, et puis après... Oui. On ira voir justement pour échanger les pépites d'or. On peut obtenir de l'argent, on peut obtenir des gemmes, des rubans. Alors, les rubans, les gemmes, c'est cher. Mais je pense que les développeurs du jeu ont mis ça pour apporter une source de revenus supplémentaire. C'est pas mal, hein. C'est récent, c'est bien. Allez, j'ai validé. Mission. Les canetons, je peux les faire, je les ai tous nourris. Mardichou vert, poisson clown, jicama. Les poulets aussi, je vais pouvoir les faire. Eh bah écoute, je vais débloquer les deux dernières missions et tu vas pouvoir faire la banque d'échange. Regarde les rubans. Je les ai nourris en off. Ah bah oui. Bah attends, je vais aller la poser, la banque d'échange. Normalement, j'ai les 50 poulets. Allez, on va ramasser les cocottes. Par contre, les œufs, on va être plein bientôt. Un pirate en tracteur. On aura tout vu dans le jeu. Hein. Alors, j'ai halluciné parce que le temps que je cherchais l'hôtel de vente, je suis tombé sur la déco repère de pirate. Elle est quand même énorme. Elle est quand même énorme. C'est une maison. C'est comme la maison dans la cabane qu'on a fait, mais ça, c'est une maison. Donc t'as 4 étapes de construction, à chaque fois ça va te coûter 175 gemmes. D'accord, après, génial. C'est à meubler. Et même si tu vas voir d'ailleurs dans les décors qu'il y a, oui. Des canons, des trucs comme ça, mais quand tu es dans une maison, plutôt qu'un lit, tu peux poser des couchettes. Ah ça me plaît, on va la faire en priorité. Je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai avancé pas mal au niveau de la ferme, j'ai pas regardé. Étable. C'est vrai qu'il va falloir qu'on retravaille un peu tout ça, ça va être lourd, hein, mais comme t'adores la déco, je suis sauvé. Ah, on a les gradins pour le terrain de foot. Les quêtes de Pâques, j'ai fait les œufs de Pâques vite fait, mais j'ai débloqué que le premier niveau. On a les œufs de Pâques, mais je m'en moque. C'est pas terrible, hein, les events comme ça. L'event pêche, j'ai aimé le chapeau, mais après... Alors, la boutique d'échange est posée. En fait, je l'avais déjà mise. D'accord. Elle est juste à côté de la maison. Ça marche. Je te laisserai aller voir. Ouais. Alors, les coques, c'est fini. On a une nouvelle mission aussi. On a plein de nouvelles missions, là. Il me reste plus que les canetons à finir. Alors, ce que je savais pas aussi, c'est que les missions, on a le droit d'en rejeter une par jour. Oui. Donc, s'il y en a une qui nous pose des problèmes, par exemple... On la vit, hein. Ben, là, exemple, le scorpion rouge, tu vois, si jamais on n'avait pas envie d'en mettre, on pourrait la virer, on pourrait la rejeter. Alors... Jicama et chou vert, ça, je vais épingler ça. Ah oui, scorpion rouge, on peut avoir des scorpions. Non, c'est un poisson. Oh, je suis en train de me poser la question. Ah oui, il y a le logo juste à côté. Tu veux commencer par quelle mission? Ben, je l'ai épinglé. On va planter du jicama et du chou vert. D'accord, et je suis en train de demander... Les poissons clowns, on les a déjà. Tiens, d'ailleurs, on va en récolter. Ouais. Je récolte pas trop pour l'instant, parce qu'il faut voir nos missions, j'ai un doute. Quoique le poireau, si tu veux de l'argent. Ah, le poireau, est... il est un peu long, hein. Ouais, mais là, il y en avait à récolter, donc... J'ai pas touché aux récoltes qu'on a fait. Le plus rentable, c'est le jicama et la bête goji noire. Ah ouais. Alors, il faut 40 jicama.
Tu vas commencer par... je le plante, Jikama. D'accord. Bah, du coup, je regarde le chou vert, moi. Est-ce qu'on a le chou vert? Là, c'est de la salade. Oh, on a du soja, sans OGM. Jikama. Ah ouais, en 10 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, ce sera printemps-été, le chou vert, on peut pas. Les poissons clowns, où est-ce qu'ils sont? Je me souviens vaguement. Les vagers sont là, donc ils doivent être là-bas. Poissons clowns, ouais. Tiens, encore des poireaux. Hop! Et après, Nounoun 37, promis, on va tester. Ok, de la pastèque. Je libère un peu les terrains, on va pouvoir commencer à faire des choses. Ah bah, tu les as ramassés. Là, t'es plus rapide. Voilà. Ah, je coupe le micro, je reviens. Est-ce qu'on pourrait tester ce qu'on nous a donné pour les poissons, là? Je sais pas. Place. J'ai eu un coup de fil, j'ai pas eu le temps de répondre. Je suis harcelé, c'est effrayant. Tiens. Alors, poissons tropicaux, on en a 12 sur 30. Jikama t'a planté de large. Des carpes koi. Et des scorpions rouges. Ça pourrait être fait avec la maison pirate. Pourquoi pas. Coton, on a déjà 90 sur 110. Est-ce qu'on irait pas mettre tout ça sur la parcelle qu'on avait débloquée en haut à droite? Oui, on va pouvoir virer tout ce que j'ai fait. Hein. Donc, non, mais on peut mettre tout au bout aussi. Parce que j'avais fait ça en urgence pour les missions. C'était pour ça. Ça va être là-bas. J'ai déjà planté le chou vert, là, tant qu'on a... non, c'est pas la période. Non, faut attendre un petit peu. Ah tiens, il y avait quoi comme cochon là? Des cochons landresse. C'est quel porcin qu'il faut? Des cochons empaillés. On les a pas ceux-là. On les a pas. Les vaches, on va leur donner du lait. Hampshire, non, on l'a pas. Allez, ben Dieu! Mangez les bébêtes. Oh. Alors, quand on monte une ferme, il faut essayer d'équilibrer. Les champs, c'est pas mon cas, et les animaux. Il faut qu'on déménage un peu. Je suis en train de me dire que ça sent bientôt l'heure pour le Nelson. Il nous harcèle, il est pas heureux. Ouais, j'avais mis des poulets. C'est pas ton perroquet que je viens d'entendre. Non, mais il est en mode glu là. Oh, on a le temps de finir l'épisode, je m'en occuperai après. À tous les amis des bêtes, bonjour! Allez, c'est dit. Après, je pourrais virer les parcelles que j'ai cultivées exprès. C'est vrai qu'il y a déjà deux mares, en fait, on peut rien faire dans ce champ-là. Ouais, je vais virer les parcelles de champ. Voilà. Vas-y. Puis on va voir comment on décore ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'était vraiment pour nous aider pour les missions. Ah, par contre, on a 22 rubans, c'est quand même classe. Alors, les rubans, il y a un truc qui est très sympa avec, c'est les arroseurs. C'est un arroseur automatique que tu poses sur une parcelle de champs, de fleurs, et qui arrose en permanence. T'as pas besoin, toi, de t'en occuper. Alors, sur les fleurs... Ça a l'avantage, les fleurs, tant qu'elles sont arrosées, elles vont être maxées au niveau de l'XP. D'accord. Sur les parcelles de champs, quand tu as un arroseur, ça divise par deux le temps de production. Bon, c'est quand même... Ah, niveau 32. Ah, 32. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Plein de choses. Le marché aux œufs. Oh, c'est bien ça! C'est bien. Peut-être le mettre là. Je pense que ça va être bien de le mettre, oui, parce qu'on conserve beaucoup de choses. Je regarde si j'ai pas loupé des bâtiments d'ailleurs. Le stand à confiture, c'est 10 rubans, ça me fait suer, mais bon, on en a quand même. Et ça donne quoi? Quand on vend les confitures, ça offre un ruban. Allez hop, il est mis le marché aux œufs. Est-ce que le stand à confiture qui est très cher t'intéresserait?
Le stand à confiture. C'est pas utile tellement, mais c'est parce que ça donne des rubans après, mais pour l'amortir, il faut vendre sans confiture. C'est ouais, très long. Mais c'est, ça peut être plutôt pas mal. Hein. Ça peut être plutôt pas mal. Sur le long terme, oui. Les ruches, pour l'instant, je les développe pas plus. De toute façon, c'est quelque chose qu'il nous faudra. Et la dicéridrome, elle consomme quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Inventaire. Ah, oh, on peut produire du rhum, t'es sérieux? Oui, oh. Si, mais il faut des épices. D'accord. Alors, comment on fait les épices? Pareil, les épices, ouais, c'est... Il y a des questions dans cet épisode. Pareil, les fleurs, on est au max, on va voir comment agrandir ça. Bon, j'ai nettoyé pas mal de champs. J'ai encore du maïs. T'as débloqué le phare aussi. Ah, bah écoute, la parcelle est presque propre, mais il faudra que j'arrive à virer les canetons et les poulets. Bon, l'argent, t'as vu, on est à 900 000. Ouais, ouais, ouais. Et on n'a pas planté de soja encore. Hein. Non. On reprend en main le jeu. Je sais pas si on a de la place pour déplacer les bestioles ailleurs. C'est pas évident. Puis alors, déplacer, c'est une case par une case. Ah, on peut pas par neuf, c'est vrai. Ou on vire les canetons, tant pis. Hein. Même si ça coûte cher, on fait de l'argent maintenant. Surtout, il peut être bien aussi de remplacer petit à petit les... Comment dire? Les animaux de départ par ceux qui sont un peu plus évolués. D'après l'émission, ça revient pas en arrière, tu crois? Mmh. Ouais, c'est possible. Je ramasse un petit peu de légumes. Ok, on monte. On va en avoir besoin aussi pour les gemmes. Ça va, t'as encore 1450 gemmes à claquer, tu vas être heureux. Hop. Bon, oui, j'ai baissé le son du jeu, faudra que je vois pour le prochain épisode comment c'est. Je vais rééquilibrer, je pense. Écoute, je vais faire le stand à crêpes. On a un stand à crêpes. Il nous coûte 10 rubans, oui, mais il va nous permettre de dépenser un petit peu nos confitures. Ah bah je vais te rejoindre, je vais voir ça. Hop. Puis je vais prendre du carburant, parce que c'est la dèche. Elle est bien la station essence, hein. On revit. Papa le Bator. Oui. Hop là. Oh. Et du coup, on a plein de confitures à vendre. Avec les pots bonne maman. Et là, on a gagné un ruban toutes les minutes. Mais ouais, non, mais c'est chouette. Oh tiens, je vais lui prendre en photo, t'es en train de manger là. On avait du stock, hein, donc. Même si je montre pas tout en vignette, j'adore les photos. Comment je m'étais... Et le stand à œuf, il est là. Alors. Oh mais il est énorme. Ouais, du coup ouais. On monte à 460. Il reste juste les fleurs. Le problème c'est les fleurs. Parce qu'on en farme aussi. Les fleurs, elles sont là. On a un petit stand de fleurs, c'est tout. Là. Ouais ouais. Mais on n'a pas encore le fleuriste, je crois. Hein. Non, on n'a pas encore débloqué le. Et la banque d'échange, pourquoi on peut pas la voir pour l'instant? Si elle est là, elle est là. Ah parce que tu l'as crafté, on peut pas la refaire une deuxième fois, d'accord. Ouais, non, il peut y en avoir qu'une. Alors attends, je te cherche. Je suis là. Voilà, ah oui, tu es près de la cabane. Ok, alors. Bon, une caisse enregistreuse. Attends, une pépite donne 10 000 pièces d'or? Oui, c'est ça, la variable d'ajustement. Nous, on était pauvres, on était très très pauvres. Et en fait, on aurait pu faire plus de choses. Ah ben on le sait maintenant. Ah, c'est bien pour réussir l'émission quand ça te prend la tête. C'est ça. Le fromage, c'est sympa aussi. Hein. Tu peux avoir deux rubans. Ah oui, d'accord. Oui, niveau 18 pour les poiriers. Eh ben, je crois qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode 13. On a vu plein de petites choses sympas. Est-ce que je me remets à l'arrêt de bus ou est-ce que tu veux qu'on dise au revoir devant le stand de crêpes, tout simplement? Oui, on peut. Hop, je me mets en mode photo, je t'attends. Sachant que je bouge plus, quand je suis en mode photo, je peux plus bouger. Et il y a un maudit perroquet bleu, donc promis, je vais enlever moi aussi mon perroquet. Je vais remettre mon chat. Merci Papa le Bator, merci à vous de nous avoir regardé, 13e épisode. Et puis on va réfléchir au Poiscaille au prochain, je pense. C'est ça, on va faire ça. Voilà. Allez, bye bye tout le monde, merci tchuss. À tous. Ciao.